Donc, j'en ai pris deux, c'était à 2 euros. Le deuxième, il est là. J'en ai pris un comme ceci. Parce que c'est des tons qui me plaisent. Dans les tons mauve, violet, bleu. Et, de temps en temps, on a un peu de doré. Donc, celui-ci, 2 euros aussi. J'ai pris celui-ci parce que, franchement, je trouvais les petits dessins de ces trucs-là très mignons, mignons. Alors, ça, j'ai même pas dit, c'est du façon épaisse et feuille. On a 32 feuilles, du 200 grammes. C'est du 11 par 16,5. Celle-là, c'est du 10,5 par 14,8. Et un espace photo, franchement, tip-top quoi. Ça fait un espace photo. On met la photo par-dessus. Et c'est du 100 grammes. Donc, plus ça soit son fin. Donc, là, il y a 24 feuilles. 3 x 8 design. 120 grammes. Donc, c'est du 15 par 15. Donc, elles sont fines, mais j'arrive toujours à m'en servir. Ça, s'il faut du papier de base assez épaisse. Et quand on a des papiers de base assez épais, ça passe sans problème. Voilà, je vous montre comme ça vite fait parce que là, sinon j'ai pas fini, dommage, j'y suis encore. Celui-ci. Les couleurs me plaisaient bien aussi. Alors j'ai pas pris tous les papiers hein, parce que. Donc là, il y a 3 fois. C'est ça. Hello Sunshine. Alors, c'est la première fois que j'allais à Teddy quand même. Bon, je ferai pas 2 heures de route aller-retour tous les 4 matins. Ensuite, en papier, j'ai pris aussi celui-ci. Alors, franchement, celui-là, lui et un autre, je trouvais très beau. Mais alors, celui-là, donc 3 euros. Donc, celui-là était 1 euro. Et celui-là aussi 1 euro. Bon, en même temps, vous voyez les prix là. Bon. Donc, celui-là, 3 euros, mais voilà. Je trouve le papier très 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 beau celui-ci. Celui-ci, mais j'ai déjà plein d'idées en tête. Et moi ça, c'est pas beau. Même celui-là. Celui-ci. La porte là. La fenêtre. Alors, je vois pas ce rapport avec les jeux et les papillons, mais bon. Écoutez, même le bois là, il fait bois. J'adore ce qui est fait bois de toute façon. Il fait bois comme ça, un peu nature là. Donc, il y a celui-ci et celui-ci. Dans les tons bleus, évidemment, violet et bleu. Ah oui, mes couleurs préférées. Donc, comment ne pas craquer quoi? Je les ai vus. Pas celui aussi, tiens. Oh, un loto. Et demain, c'est loto avec ma petite mamounette. Croisez les doigts. J'espère que je gagne quelque chose. Bon, demain, c'est un loto. C'est que sur des lots alimentaires. Voilà. Du pays. Du coin, en fait. Des petits producteurs de la région. Voilà. Pour découvrir leur. Leur truc donc ensuite j'ai même plus de voix donc des stickers. Alors ça, je sais pour qui ça va aller, je sais ce que je vais faire avec. En fait, il y avait des caisses et plein de petites promos que d'ailleurs j'ai pas compris parce qu'il y en a un, c'était sur les licornes. Alors en région, il était 1 euro. Plus loin dans la caisse, il était 65 centimes. Ah bah j'ai posé celui qui est pas étiquette et j'ai pris vous avez compris quoi? J'avais pas compris leur logique. Bref. Donc des sirènes, qui fait un peu métallisé d'ailleurs. Des petits animaux marins. Des animaux de la jungle, parce que j'ai plein de papiers qui font un peu jungle. Et là, du coup, bah. Mais j'aime bien ce qu'ils font un peu métallisé. Encore avec des flamants roses. Des petites fleurs et des petites abeilles.
Là, un peu plus girly. On a des lettres. Que j'avais d'autres qui étaient dans le style. Comme vous voyez, je ne suis pas non plus mangé sur la licorne. Bon, du coup, j'ai pris cela quand même parce que, bah. Voilà quoi. À la base, il devait être à, je pense, à 5 euros. Et après, j'ai été mis à 2 euros et c'est passé à 65 centimes. Donc, comment vous dire que. Voilà quoi. J'ai trouvé ça trop mignon. Non, mais ça, en fait, je découpe. C'est une grande, une bande quoi. Je découpe un bout. Je le mets sur une tranche d'album. Avec un album sur, par exemple, les licornes. Et ça peut rendre super. Donc voilà. Ça, c'était 2,55 €. J'ai trouvé des fleurs comme ceci. À 1 euro. Je les trouvais jolies. Alors, les fleurs, j'ai dit non, j'en prends pas trop parce que j'en ai déjà plein. Un petit bloc 10-10. Alors, j'ai pris, je sais pas ce que les. Voilà. Les couleurs me plaisaient. Il y a du violet, les. Enfin, je sais pas, les. Ça me plaisait, ça me plaît. Pas toutes les feuilles, mais. Et surtout que c'est souvent que j'ai besoin, par exemple, d'un. Des petits corsets. Juste des petits corsets que j'ai fait comme autrefois. Là, une feuille comme ça, c'est parfait. J'ai pas besoin de découper, je le prends. J'ai juste assez pour faire mon truc. Donc, voilà. Ça évite le gaspillage de papier. Là, oh bah là, c'est parce que j'ai trouvé trop mignon. Regardez-moi ça. C'est choupi. 1,55 €, pareil, en effet puffy, là. Alors, juste parce que bah, sa résine, là, je trouve trop jolie aussi. 1 euro. Là, pareil. Alors, ça, parce que c'est des couleurs qui me plaisent, ça, c'est totalement quoi. Donc, voilà, c'est. Et en plus, j'ai des stickers qui pourraient aller avec cela. Franchement, je peux faire un truc bien sympathique. Donc, c'est 1,55 €. Bon, ça n'a pas loupé, hein. 2,55 €, mais c'est parce que ceux-là, ils sont. Ça se colle. Donc, je pourrais coller à ma fenêtre, ceux-là. Des ventouses. On va rentrer dans ma pièce. C'est une pièce d'un mois pour faire mon linge et tout. Bah, ça va être licornesque. J'ai trouvé aussi ce bloc-là. C'était le dernier qui restait à 2 euros. Et voilà. Amis, si tu passes par là, hein, tu comprends notre goût pour les. Ce genre-là, quoi. C'est ça, celui-là. Pourquoi j'ai. Voilà. Alors, les aiguilles, parce que toujours pratique au crochet. Pratique au crochet, je disais. Donc, j'en ai pris pour moi, mais j'en ai pris aussi pour ma petite mamounette. Parce que l'autre jour, elle cherchait avec un gros trou. Alors, j'espère que ça ira. Bon, en même temps, 55 centimes. Voilà quoi. J'ai trouvé des rubans. Alors, j'ai pris celui-ci. C'était à 2 euros. Et celui-ci. Je sais pas, j'aime bien le. J'en ai pas des comme ça. Et j'ai pris un rompon, un rompon, un rompon, un ruban comme ça, parce que je sais exactement ce que je veux en faire. Voilà, je vais m'en servir pour faire un truc là, donc 2 euros aussi. Là, c'est des washi, mais en dentelle. Je trouve ça sympa. Donc 2 euros. Des petits papillons. Donc cela, ben, j'ai trouvé joli quoi. Il y a plein d'autres, hein, mais celui-là me tape à l'œil. 3 euros. Des plumes. Alors à mon avis, ça a dû. J'ai dû prendre en même temps que le truc parce qu'à la base, j'avais pas pensé à prendre des plumes. Mais c'est pas grave, non, 65 centimes, je dirais pas. Donc en licorne, j'ai pris quand même ceci. Parce que c'est en moitié transparent. Il y avait les petits chats aussi qui étaient à moitié transparents. 1 euro. Il y avait des fleurs comme ça. Un peu, ça fait un peu vitrail. J'aime bien. Vitraux, vitrail. 1,55 €.
Celles-là aussi font un peu métal, alors que c'est pas du métal, hein, mais ils font effet métal. Alors, suite du haul, j'espère que je vais avoir assez enfin, pas de batterie, mais de place. Alors, pour Teddy, ça a coupé, je sais plus où je m'étais arrêté. C'est ce métal sur l'été hier. Ceci, effet un peu métallisé. Alors, 55, là des fleurs effet vitrail. 1,55 aussi. Des petites licornes et des petits flamants roses. Voilà, un effet miroir. Des petits chats. J'aime bien ce qu'ils sont un peu en transparence. Les licornes, alors ça, je crois que je vous avais montré. Des plumes. Alors, les plumes, je sais pas, à mon avis, elles étaient collées entre deux trucs parce que je ne m'en rappelle pas les avoir pris. Donc, c'est pas très grave. Ce prix-là. Des alphabets. Donc, ceci. Pareil, c'est à 65 centimes. Là aussi, 65 centimes. Donc, j'aimais bien cela aussi. Donc, ça, c'est pour Teddy. Ensuite, pour finir, Temu. J'ai fait un petit moment que j'avais commenté. Bon, tout n'est pas pour moi, il y en a aussi pour mon mari. Alors, je commençais par ce qu'il y avait pour mon mari. Voilà, il s'est pris plein de moules en silicone. Donc là, c'est pour faire un bracelet. Enfin, des moules en silicone. Faire de l'époxy. Ça, c'est pour faire une boîte. Voilà, là, il y a le couvercle. Tout le monde sait vite fait, mais bon. Là, c'était des formes de. Ah oui, c'est là pour des jeux, je crois. Et pourquoi il y a ça avec? Je ne sais pas. Non, c'est pas pour faire la robe de vie. Je crois que ça, c'est pour faire des. Ah oui, c'est pour des. Comme des boucles d'oreilles, je crois. Voilà. Des papillons. Je crois qu'il y a fait ça. Ensuite. Hop. Des plus grosses formes pour faire des porte-clés. Donc celui-là, c'est obligé, je vais m'en faire un. Celui-ci aussi. Hein. C'est obligé. Parce que je suis une fan de l'Égypte antique. Donc voilà. La preuve. Hein. Ça, c'était pour faire, je ne sais plus. Pourquoi il y a des bouchons avec? Ah oui, c'est pour faire des vases, je crois. Ah oui, c'est pour faire comme des vases. Et du coup, il y a les bouchons. Il y a, je fournis avec. Voilà. Là, il y a des petits pots. Donc, il avait pris ceci. Et. Ah oui, il est grand celui-là. Il n'est pas assez grand. Voilà, ça se met comme ça. Là, il y a le socle. Évidemment, je. Voilà. Et là, il y a le cœur, un petit cœur qui sera accroché avec une chaînette. Comme ça. Mais je ne le voyais pas aussi grand. Donc, voilà pour celui-ci. Là. Ah oui, il n'est plus clair en fait. À côté, j'ai fait la petite chose, moi. Là, c'est pour faire un porte-clés en. Là, vous voyez, ça se ferme comme ça après. Voilà, pour faire deux petits cœurs. Donc, il y avait celui-ci. Ensuite, alors, ça, c'est l'arbre de vie. Faire plein de bruit et puis attendez parce que en plus j'ai ma machine qui était mise en route
Donc plusieurs sortes d'arbres de vie. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moule? Là, c'est pour faire aussi des boucles de pendentifs ou des boucles d'oreilles, comme on veut. Voilà. Celui-ci, ah oui, j'aime bien celui-ci. C'est une lune avec un petit chat. La lumière, évidemment, est terrible. Ah, vous voyez, la lune qui est là, le petit chat. Et celui-ci, ah oui. C'est la tête de Mickey avec le château de Disney au milieu. Voilà, puis, je trouve ça sympa aussi. Alors, ça, c'est pour tous les moules. Ensuite, on a pris quelques petits bricoles pour essayer de mettre dedans et aussi pour moi, au passage. Donc logiquement, ça doit être mes petites licornes. Ce que j'en ai un petit moule, c'est comme un petit sac et dedans, il faut mettre des petites décos. Donc, il va en trouver des toutes petites. Donc là, on a des toutes petites licornes. Ensuite, là on a un sachet avec normalement c'est un petit assortiment. Donc il y a des petits fantômes, des petits nœuds, des petites fleurs, des papillons, des trucs comme là un peu halloweenesque, des cœurs et un petit mange-à-pied. Et alors, moi c'est pour les, ça se met sur les ongles, mais moi m'en servirai autrement. Et là, on a un peu de tout, des fleurs, des papillons, des petites pattes de chat. Là. Trop mignon ça. Une étoile là. Alors, voilà, c'est un mélange. Ensuite, je m'étais pris. Alors ça c'est pour moi. Du coup, il y avait aussi celui-là. Basique. J'ai pris ça. Il doit me rester un ou deux. Du coup, je m'en suis repris. Donc, il y a des dorés, des argentés, normalement des couleurs bronze, cuivre. Et encore les deux sont pas encore tout à fait la même couleur. Donc c'est un petit mélange de plusieurs couleurs. Là, ah oui, c'est pour faire des porte-pieds pour il y a tout un ensemble des. Il y a tout en fait, c'est pour les porte-clés, c'est pour faire les trucs en époxy. Et je m'étais pris des rubans à celui-là. Comment voulez-vous? Eh ben, il est petit, hein? Ah ben, il y a intérêt à s'en servir avec. Hein? Pas n'importe comment, parce que. Voilà. J'ai qu'un petit bout. Mais elle est très jolie. Et j'avais pris celui-ci. Bon, je vais pas passer 3 heures à essayer d'ouvrir. Hop. Voilà. La dentelle comme ceci. Il y en a un peu plus quand même. Donc voilà pour tout ce grand haul que j'ai un petit peu fait en speed ce soir parce qu'il est
tard. Donc voilà. Et bien sur ce, je vous dis à une prochaine. Bye bye.